Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Foundation. Donc, la dernière fois, on avait dit qu'il fallait qu'on atteigne les 6 chevaliers, je crois, pour débloquer une surprise. Un truc que j'ai très envie de débloquer. Voilà. Ça y est, ça commence, une habitation où ils ne peuvent pas rentrer dedans. Aïe aïe aïe, il est où lui? Oh putain, il se bloque avec ce truc. Hein. Il y a quoi là-dedans? Oh, il y a toute ma bière. Alors ça, on va le déplacer. On va construire un grenier là, parce qu'il nous pose problème depuis le début, ce grenier. Il nous embête depuis tout à l'heure, ce grenier. On va le mettre ici. Hop, tac. Ouais. Il y en a qui se coincent là-dedans à chaque fois. Donc on va le construire ici. On va le mettre en priorité. Hop. Priorité très très haute, s'il vous plaît. Ah. Et oui, ils veulent aller se grenier, ils sont bloqués. Évidemment. Est-ce que j'arrêterai pas l'immigration là? Je ne sais pas. Attendez. Bonheur, non. Métier, je vais juste vérifier ça. Ouf, si. Si, 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 on va arrêter l'immigration pour le moment. Voilà, les villageois on peut fermer. Ça, on va descendre. On a des promotions. Bah, ils vont tous devenir citoyens. Parce que les besoins de luxe, de toute façon, j'ai largement ce qu'il faut, je pense. Les serfs. 1, 2, 3, voilà. Pourquoi j'en ai que 3 sans emploi alors j'en ai vu. Ah, parce qu'il y en a peut-être là-dedans qui sont sans emploi. Non, bah non, pourtant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas grave. Hop, alors. La ferme laitière, parfait. C'est ce que je voulais. Alors, un producteur de lait. Voilà, clac. Ok, les baies, on descend. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Si, parce que j'ai vachement monté en villageoise pour ça, peut-être. Sûrement. Sûrement, sûrement. Ok. Donc, le grenier ici. Allons-y. Allez, dépêchez-vous. S'il vous plaît. Ça a envie de ce truc et on n'en parle plus. Il y a bugué là le... le truc là. Allez, gardez mes troupes avec vous, les soldats victorieux. Ok, grenier terminé. Alors là, on va stocker de la bière, de la bière, de la bière. Et de la bière. Ok, et là, on va vider les stocks. Voilà. Normalement, il devrait amener tout ici, j'espère. Je pense. Et là, faut peut-être que j'en assigne aussi, je ne sais pas. Qui c'est qui s'occupe de transporter ça? C'est eux ou c'est eux? Ça doit être eux, du coup. Good question, alors toi. Ah ok, donc elle s'est barrée parce qu'elle était bloquée. Fantastique. Gilo. Gilo et Étionnette. Vous allez venir ici. Gilo et Étionnette. Voilà. Merci. Et puis un de plus du coup. Voilà. Alors là, est-ce qu'ils vont aller échanger les trucs là ou pas? Sinon, Osef, hein, je. Tant pis. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Hein. Je crois qu'on va se dire tant pis pour les stocks de bière. Qui diminuaient pas mal quand même. Hein. Ouais, je trouve qu'il commence à diminuer pas mal mes stocks de bière. Donc on va reconstruire un. Mmh.
Une brasserie. On en avait démoli une tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Pas tout à l'heure, la dernière fois. La dernière fois ou il y a quelques temps, je ne sais plus. Là, j'ai construit un autre module en fait pour éviter qu'ils se bloquent dans ce machin-là. Je sais pas pourquoi ils se bloquent là-dedans. Parce que je les ai posés juste pour la déco et en fait, ça pose problème. Ah, j'ai mis du monde là-dedans? Oui. Non, je ne sais pas. Apparemment. Chargé. Ah oui, mais ils se mettent automatiquement là, les gens. Les mecs, je suis bête. Donc le miel, le miel, le miel, le miel, bof. Les plantes médicinales, bof, bof aussi. Va falloir encore agrandir notre monastère. Tiens, là on a des baies. Cabane de récolte. Bouya. Et on va réactiver l'immigration parce que là, on va avoir besoin de pas mal de gens. Ok. Ah oui, dans la promotion, j'ai pas pu promouvoir les mecs qui sont là. Peut-être qu'il faut que je les envoie en mission, ceux qui sont ici. Oula. Tous ceux qui sont apprentis niveau 1 là. Les apprentis niveau 1. Bah, tous ceux qui sont apprentis en fait. On va tous les envoyer dans une mission facile. Hop. Clac, assigné. On va tous les apprentis en fait. Apprenti. 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 Allez, hop. Comme ça, ils vont tous gagner un peu du level. Puisque de toute façon, il faut qu'on les fasse monter. J'ai envoyé un soldat aussi avec, je ne sais pas qui c'était. On va l'enlever. Hop. Envoyé. Armée, je suis à combien? Blablabla. Oh, il y avait un apprenti qui était blessé là. Ah oui, je l'aurais pas mis non plus de lance. Faut que je leur mette des lances quand même. C'est mieux. À tous. Hop, voilà. Comme ça, on est bien un émissaire. Je m'en fous, je veux plus faire ces trucs-là. Hop, hop, hop. Ouais, bon, il reste ça. Le grenier. Oui, vous m'emmerdez avec ce grenier. Ah, voilà. Ah, mais ils ont déjà produit tout ça, là. Ouais, vous savez quoi? Hop. Je m'en bats les reins. Voilà. Je m'en bats les reins. Et là, on va en mettre un de plus, on avait dit. Voilà. Soldats sont de retour de mission. Yes. Déjà? C'est lesquels qui sont dans notre mission? Il y en a un qui est formé partiellement. Je ne sais pas. Ils ont gagné de niveau déjà, tous là? Non. J'en sais rien. J'en sais rien. Ok, donc là on est tout très bien. Voilà, pour le vin, vas-y. Hein. Le vin. C'est bon quoi, là on vend du vin. On vend du vin là. Vendez du vin. Ok, on a ramené un plan. Yes. Cabane de récolte. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Boum. Alors attendez, parce que là on a dû faire pas mal de choses d'un coup. Faut pas l'agrandir cette fenêtre là, c'est dommage. Blablabla. Cabane de récolte. Mission militaire, le soldat était victorieux, blablabla. Ok, ah, cette tour, oui, bah oui, mais c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, donc nouvelle mission militaire, ouais, oui. D'ailleurs, mon bailli, qu'est-ce qu'il fait, mon bailli, en ce moment? Être en train de se tripoter la nouille, non? Et le plan là que j'ai débloqué? On est d'accord? J'ai bien gagné un plan inconnu là. Oh! Comment ça? 0, 0, 0. Ah, ils sont peut-être pas encore revenus? Je ne sais pas. On va attendre.
On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, on verra. Tac tac tac. Oh, ça y est, une statue qui a été construite là. C'est ma belle fontaine. Oh oh oh. Elle va être classe ma fontaine quand même. Hein. Wow. Ok. Très bien, très bien. Ah oui, j'ai deux chefs-d'œuvre à construire aussi. On va peut-être faire ça pendant que les militaires ils vont se battre. Ils vont se battre. La brasserie, allez, un brasseur. Un brasseur, voilà. Clac. Ouais, ça produit, c'est bon. Là, on est toujours à 100, donc c'est bon. Le vin, on le vend, je crois, aussi. Hein. Ouais. Ok, les vêtements, on remonte. Ça, on remonte, c'est bien. Les baies, on remonte. Le pain, on est cool. Ah, le fromage, on descend, par contre. Le fromage, on descend. Gardez mes troupes avec vous. Le fromage, on descend. Et le lait, on est toujours en train de descendre. Hein. C'est dingue, avec toutes ces fermes qu'on a. Peut-être qu'on va peut-être arriver à remonter maintenant, non? Le lait, là. Je voulais voir la farine, on est toujours bon. On va stopper l'immigration 5 minutes. Je vais voir si j'en ai pas qui sont morts là. Je suis à combien? 35. Et ouais, donc si j'en ai bien un qui est mort. Ouais, j'en ai un qui est mort. Propos sur disponible. Allez, brasseur, cueilleur, cueilleur. Soldat. Vas-y, tous. Hein. Roturier, non. Et y a rien d'autre. Ok. Donc c'est bon. Pourquoi j'ai eu que deux mecs là? Bizarre. Un bâtisseur, on s'en fout. C'est où ça? Alors charbon, ah c'est là-bas. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas encore mis pour le moment. Même si j'ai encore ce qu'il faut en charbon ici. Ouais, parce qu'il doit venir là. Ah là, il y avait un truc qui était bloqué aussi. Maintenant, ça y va. Ah oui, les outils, ouais, ça y va, ouais, effectivement. Effectivement, les outils, on est bon, quoi. Et les tonneaux? C'est où les tonneaux? Là, 169, oui, oui, pareil. On est bon. Ça entrepose ou quoi? Oui, ça, on s'en fout. Je vérifie ce où j'en ai mis que deux, parce que... Voilà, pour la pierre, on s'en fout aussi. Là aussi on s'en fout. Bon, on va dire que c'est bon. Ouais, là j'en ai qu'un, c'est bon. Parce que de toute façon, je ne produis plus rien. L'or, là, les gemmes... Pff, c'est chiant ces gemmes. On trouve rien. On trouve que dalle en gemmes. Les greniers, bon les greniers ça doit être bon aussi je pense. Ça c'est quoi là-dedans? C'est la farine. Pff, ouais, largement suffisant d'eux. Vas-y, charger. Là, c'est quoi? Ouais, deux, ça doit suffire aussi, je pense. Ok, grenier, là, c'est quoi? Le fromage? Ouais, deux, ça suffit aussi. Ouais, le fromage. Ah, on remonte un petit peu. Le grenier, là, il y a quoi dedans? Du blé, de la farine, ouais, deux, ça suffit. Ça, c'est du pain. Donc, ça suffit aussi. On va laisser comme ça. Ah, j'ai une hutte de chasseur là. Où je n'ai pas affecté quelqu'un. Mince. Je suis à combien en sanglier? 3. C'est ce qui me semblait. Du coup, je dois pas te produire assez de machin. Ok. Une scierie. Ouais, non, mais le. Les planches, j'ai largement ce qu'il faut aussi. Étal de produits de luxe. Ah. C'est où ça? Ici, ouais, effectivement, on a peut-être besoin. On va peut-être en avoir besoin bientôt. Ah oui, j'ai mis le... Ah là là, j'ai mis les trucs qu'il fallait. Mais... Je pourrais expirer ici. Non.
C'est laquelle celle-ci? Alors attendez, touc. Ouais, pas sûr que j'ai besoin là. Ah si, peut-être. Peut-être quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre là parce que. Ah bah les herbes. Je sais combien en collier. Ouais, il les bouffe rapidement. On va mettre les plantes. Ici. Hop, et on va en assigner un. Voilà. Hop, 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 hop. Ok. Vos soldats ont été victorieux, d'accord. Là, ça, on s'en fout. Ça, allez, on va le réactiver. Clac. Je suis à 400 villageois. C'est pas mal du tout. Voilà, mais là, ils arrivent pas à replanter assez vite. Ils coupent plus vite que lui ne plante. Là. Plus vite que ça pousse aussi, surtout. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des types d'arbres qui poussent plus vite? Genre dans la réalité, les pins, ça pousse plus vite. Vos soldats ont été victorieux. Ah, mais toi, tu me les brises là. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque des planches. Allez, priorise-moi ça, finis-moi vite ce truc. Qu'on enlève ce truc qui nous embête. Ok, donc là on remonte, là, très doucement. Le lait, feu, limite. Hein. Le lait limite. On a un sacré village quand même maintenant. C'est dommage qu'on puisse pas dézoomer un peu mieux. Ça c'est un petit défaut je trouve, qu'on puisse pas dézoomer un peu plus pour voir notre truc dans la globalité. Mais j'aime beaucoup. Ok, donc ils ont ramené tout ça, eux ils ont dû monter de niveau un peu là, enfin ils ont dû prendre du pex, voilà, les apprentis, niveau 6, machin. Ok, c'est très bien. C'est très très bien. Je comprends pas pourquoi j'ai perdu mon plan là du coup aussi. Tant pis. Peut-être que c'était un plan que j'avais déjà, je ne sais pas du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aussi, du coup, on va renvoyer tout cela là. Je peux pas avoir la liste, putain, je peux pas avoir la liste. C'est un peu chiant, on peut pas avoir la liste en même temps des blessés. Ça aussi, c'est dommage qu'on puisse pas voir là s'ils sont blessés ou quoi. Parce que moi, faut que je prenne l'Anfrid. Ils sont dans le même ordre, par contre, ça c'est bien. C'est pas malheureusement. Alors, de l'Anfrid à Talarico. L'Anfrid, hop, 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 hop. Ça en fait plus là, non? Ouais, il y en a un peu plus là. Ils sont pas dans le même ordre alors. Ostosia, House. Ayus, est-ce que je les ai pas mis dedans? Non. Ossite, non plus. Ils sont peut-être pas là les blessés. Si. Brida et Clodovêche. Clodovêche. Brida et Clodovêche. Ok, après Marhaus jusqu'à Riffert. Merde. Marhaus jusqu'à Riffert, ok. Marhaus. Ah merde, je sais plus du coup. C'est Ossite. Ok. Et Riffert. Ça en fait pas mal là quand même. Hein. On peut en envoyer un peu plus quand même. On peut en envoyer un peu plus. Pas tant que ça. On a de. Soldats, soldats. Des apprentis par exemple. Lui là. Margarona. Juste pour
qui prennent du niveau. J'avais déjà mis. Marguerona, ouais, j'ai déjà mis. Bon, on va les envoyer. Hein, ça ira très bien. Ah, ouais, il y en a un qui est mort là. Un apprenti. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée d'envoyer des apprentis en mission difficile. Qu'on soit terminé la taverne. Ah, parce qu'ils ont terminé ma fontaine qui appartient à ma taverne. Elle est stylée. Elle est stylée. Eh bien, on va construire aussi également. En attendant. Oh, mes petits soldats qui sont à la guerre. Ouais. Ouais, à la guerre. Ok. Donc, il me faut mes chevaliers après. Il va me falloir mes chevaliers. Je gagne toujours de l'or, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme... Ce que je voulais voir, moi, c'était ce qu'on a débloqué des trucs ici. Non, on n'a rien débloqué. Par contre, ici, on n'a pas débloqué de trucs non plus. Statut de chevalier, si ça, ça y était pas. 10 gemmes, putain. Bordel. C'est un truc de ouf, ça. Promotion disponible, allez. Alors, tac, tac, tac. On a tout ça de sans emploi. On coupe l'immigration. Chevalier, allez. Un chevalier de plus. Boum. Ça me fait 4 chevaliers maintenant. Encore 2. Soldats, bah, tout le monde. Évidemment. Ok. Et ça me suffit pas pour un autre chevalier, non? Non. Non, non, non. Ok. Combien j'ai de chevaliers? 1, 2, 3, c'est tout? Ah non, 4. 4, ok. 4 chevaliers. Donc il me faut... il m'en faut encore 2. Pour débloquer ce que je voulais débloquer. Vous êtes pénible. Ils ont toujours pas fini ça. Bougez-vous les fesses. Donc moi ce que je voulais construire c'était dans les monuments. Non, dans les chefs-d'œuvre. La fontaine automatisée. Ah oui, j'avais ça aussi, c'est vrai. Conditions, nombre minimum d'éléments décoratifs. Allez, ça on va le construire. Où est-ce qu'on va le faire ce truc? J'en ai pas la moindre idée. Elle est vraiment dégueulasse cette église. Je tiens à le dire. Elle ressemble vraiment à rien. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Le jardin luxuriant, on le fera après. La splendeur du bâtiment augmente de 300%. Ça pourrait me permettre de... Par exemple, d'augmenter la splendeur de ça, passer à 100. Peut-être qu'il y a un truc à débloquer quand on est à 100. J'en sais rien, je crois pas, il me semble pas, hein, mais... Mais bon, le truc militaire, c'est ça, et j'ai pas envie d'améliorer ce machin, donc ça me sert à rien. Bon, pour le moment, on va faire la fontaine automatisée. Fontaine automatisée qui me rapporte quoi, on a dit ? Améliore considérablement l'attrait résidentiel de la zone. Ah, donc il faudrait faire un endroit où on a besoin d'attrait résidentiel, par ici par exemple. Là, là en plein milieu, ce serait pas mal. Ici, je sais pas à quel point c'est gros ce truc. C'est ça que je voulais voir. L'attrait résidentiel. Allô? Ça ne marche pas. Fertilité, je m'en fous. Ah voilà. Non, c'est pas du tout ça. C'est bugué.
Ah, voilà. Augmenter la trait résidentielle par là, là, ce serait bien. Parce que là, on est bien, notre trait résidentielle, là, ici, là. On est pas mal du tout. Là, ici, on est bien, on est bien. Là, ça pourrait être pas mal de... J'ai pas trop envie de me développer par là. Ici, on est super bien aussi. Hein. Je pourrais même agrandir un peu la zone là, là, comme ça, là. Vous voyez ce que je veux dire, même là, là. Largement. Largement. On va le faire par ici. On va le faire par ici. Donc ça a pas besoin d'être raccroché à quoi que ce soit. Peut-être placé en tant que bâtiment indépendant, ok. Ouais, bah vas-y, on va le construire par là, ce truc. On va le construire par là. Pouf. C'est pas très plat, mais... Donc c'est une fontaine automatisée. Base surélevée. Ah ouais, on va faire une base surélevée, là. Pouf. Un petit bassin. Pouf. Voilà, on voit pas grand chose quand c'est un truc comme ça. Une tour, une colonne, une flèche, un jacquemart et un oiseau automatisé. Alors, très élevé, allez-y, chargez. Pouf. Une tour, une colonne. Ah, c'est stylé. Combien ça coûte? Ouais, ça va. Oh, c'est classe ce truc. Bam. Ok. Nombre d'éléments décoratifs compris dedans. Ok. Ah oui, donc on va en mettre plein. Après, on met ça dessus. Oula, c'est quoi ça? Non, bah donc on va enlever ça, on va mettre ça d'abord. On va monter ça. Et après, on va mettre ça. Voilà. C'est plus logique comme ça, non? C'est un peu plus logique comme ça, non? Et la flèche en haut. Et la flèche, on peut la faire grandir aussi. Ouais, on va la faire grandir un petit peu. Ça a juste un coût de construction, ça. Ça a pas un coût d'entretien. C'est bizarre. Pourquoi pas, hein. Alors. Des petits oiseaux. Quick. 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 On va remettre tout le tour là, à ce niveau-là. Quick, quick. Voilà. Et les petits jacquemart là. Je sais pas du tout ce que c'est un jacquemart. On va les mettre par là, là. Clac. Clac, clac. Clac, clac, clac. Oh, ça compte pas comme des éléments décoratifs. Ça veut dire qu'il faut que je mette des trucs comme ça. Oh, c'est nul. Bah sinon on va en faire une grosse fontaine. Hein. Oh non. Des intempéries. Zut. Bah sinon on va faire une grosse fontaine. Alors on va faire un gros truc. Attendez, ça sert à rien de mettre tous ces petits machins dégueulasses alors. Je pensais que ça comptait. La déception. Ça sert à rien d'y faire si haut non plus. Hop. Non. Hop là. Ouais, faut que je fasse trois trucs comme ça quoi en fait. Je peux pas le dupliquer ce machin. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Voilà. En fait, faut que je fasse trois trucs comme ça. Pour que ça augmente l'attrait résidentiel de la zone. On va faire un truc stylé, vous allez voir. Hop, on va faire comme ça. Clac. Petite base octogonale, c'est sympa du coup. On va se mettre bien au-dessus. Hop. Oh, ça me gave. Soldat de retour de mission. Allez, un plan.
Oh là, oh là. J'espère que cette fois le plan, je pourrai le. Pouf. Pouf. Voilà. On va faire ça, ça. On va faire ça, ça. On va faire ça, ça. Et voilà, on est à 16 sur 15. C'est très bien. Très bien, très bien. Oh, il va me faire 18 statues. 120 outils. Oh, ça va, j'en produis des masses maintenant. 278 de marbre. Ah, dans 10 ans. Ok, un plan inconnu. Là, pareil, ça l'a pas récupéré le plan. Je m'en fous de toi. Encore une fois, 000. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai eu des morts? Non, pas de morts. Ah, par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessés là. Bon, faudrait que les apprentis deviennent soldats, ce serait bien. Faudrait que les apprentis ne soient pas blessés non plus, ce serait bien aussi ça. Une fois qu'ils seront tous soldats. Ah mais il faut que les soldats soient tous niveau 6 aussi. On va attendre qu'ils soient tous. Qu'ils ne soient plus, plus blessés. Ok, donc on a construit notre fontaine automatisée. Voilà. Et ça fait 30 minutes, donc on va arrêter cette vidéo ici. On va juste terminer les promotions pendant qu'on y est. Ils sont tous sans emploi là. Ok, donc soldat, boum. Et c'est tout. Allez. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao.